La danse, c'est une expression corporelle. C'est du sport accompagné d'une son aussi. Le fait de danser, ça te soulage. J'ai décidé de participer au projet Kanyway parce que ça va me permettre de rencontrer d'autres amis et de découvrir d'autres mondes aussi, et ça va améliorer mon niveau de danse. J'ai décidé de participer à ce projet Kanyway aussi par motivation. Et ensuite, la langue allemande, c'est une langue que j'admire beaucoup et j'ai vu que c'est une langue très avantageuse. Bon, ce projet, il y en a beaucoup de surprises, mais en résumé, je ne m'attendais pas à tout cela. Je me suis dit classe, wow, this guy is a new message to group pour faire le projet Kanyway. Je sais que la musique, c'est ce que j'ai interviewé ma salle sur quelques vidéos. Dieu l'a fait, je me choisis. Ce qui m'a surpris dans le projet, c'est que franchement, il y a de l'affinité entre nos camarades et nous. Wow, on s'entend très bien. Bien vrai que c'est la première fois qu'on se voit. En plus, la rencontre des artistes, ça nous a beaucoup aidé. On a découvert de nouvelles choses. Bon, je sais déjà, je suis un talent, déjà, je suis un profil, je suis un diable, je suis un allemand. Je me déposer la candidature. Je suis un peu plus jeune, je me sens bien, parce que je sais que je suis un peu plus jeune. Je suis venu depuis Kabul, je suis en tant que rappeur, ce projet Kanyway Bogota Institute. Voilà, aujourd'hui c'est l'attaque 1 du projet Kanyway. On est arrivé dans la journée vers les midi. On s'est installé, on a fait la distribution des chambres. Puis on est passé dans la cuisine, on a mangé. On a accueilli le premier groupe des candidats de Kanyway. Et dans la soirée, aux alentours de 19h, on a accueilli le deuxième groupe. Voilà, la journée s'est très bien passée et on tend vers le deuxième jour de Kanyway. Par rapport au projet Kanyway, qui est vraiment très pertinent, qui est vraiment très pertinent. Et je suis vraiment très heureux de faire partie des professeurs qui sont dans le projet et de partager aussi ma connaissance avec ces élèves. Je t'aime comme un loup, comme un loup.
Je suis danseuse, interprète, chorégraphe. Et dans ce projet Kanyway, je suis professeure de danse. C'est moi qui vais animer les ateliers de danse. C'est ravi de venir participer dans ce projet et de partager mon savoir, enseigner la danse, montrer la culture. Premier volet qui est de fixer et maîtriser la chanson, la mélodie proprement dite. Il faudrait qu'on essaye de voir justement qui fait quoi, comment et comment ça se passe. Qui sont ceux qui n'ont jamais été en studio? Levez le doigt sans problème, comme ça, ça va peut-être aller plus rapidement. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, tout le reste, vous avez déjà été en studio au moins une fois. Hein? D'accord, ok. Donc en studio, comme vous le voyez déjà dans un premier temps, le son il est isolé, de sorte à ce qu'en fait quand on parle ici, bah, de l'autre côté normalement personne n'entend. Ça permet en fait de capter tout, on va dire, ça permet de capter la manière la plus pure possible votre son. Et donc des petits bruits comme ça, genre, vous voyez tout ce qu'il y a. Même ça, on entend. Hello, salut tout le monde, c'est Bril. Aujourd'hui je suis là parce qu'on est en train d'enregistrer le morceau Kanyway avec les élèves. On a passé un moment ensemble avec eux et j'ai pu voir que parmi les élèves il y a des futures stars, les stars de demain, les chanteurs de demain, les artistes de demain sont parmi eux. Et aujourd'hui on est en train de faire un morceau qu'on va ensuite tourner en vidéo. Hello, hello tout le monde, alors c'est OMG. Je suis ici avec Somon, qui a fait le projet Kanyway, donc en partenariat avec Gun Institute. Le projet Kanyway est un projet qui a été franchement beaucoup de parce que déjà, c'est des enfants, c'est des élèves qui ont été nek. Donc, nous avons collaboré avec eux, collaborer avec eux, partager avec eux. Donc, c'est une nouvelle expérience pour moi, qui a été également pour eux. Ce sera énormément de partage, énormément d'échanges qu'on va vivre ensemble. Et j'ai vu les enfants, ils sont très, très, très dynamiques et j'espère que le projet va aboutir à quelque chose de très 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 positif. Les quatre premières mesures, c'est les rapports. Bon, projet, je m'en fais surprendre que je m'en fais 10. Il faut bien au moins une grosse finale, une grosse quoi. Je viens de Palmarès, au lycée de Palmarès. J'ai 18 ans et j'ai fait le projet de Kanyway en tant que chanteuse. Man Alma, je me suis dit que après mon tour, je suis essayé. Oui, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.
Dans le cadre du projet Kainouai, le Goethe-Institut a invité 16 élèves ici à ce monde pour participer dans un projet extraordinaire. 16 élèves ont participé dans l'atelier danse, chant et musique. À la fin de l'atelier, nous avons une très très bonne surprise. Un enregistrement d'une chanson avec les superstars sénégalais Brill et OMG. Et aussi un tournage d'un clip extraordinaire avec Wiflek, OMG et Brill. Tu trouves comment le projet? C'était super. C'était bien, le séjour. C'était hyper cool, tout le monde était content. Tout le monde est content. Non, là, tout le monde est triste. Est-ce qu'il faut rentrer? Alors, bon, nous avons une affaire. Nous avons affaire. Live mo demé ni quoi daye bu nexé day tass bu nakaré aussi day tass quoi mais de toute façon on espère qu'on se reverra encore inchallah. Ce que j'ai vu, c'était trop beau, on a passé de bons moments avec vous, franchement.